Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2019, sur notre le retour de la série 100% en fait, non, partir de zéro. Petit moment, ça va être le 21e épisode. Donc plein de choses ont changé, déjà on a changé de map. On est sur la LR Barch, un truc comme ça, du mode contest. Du coup, plus sur le paysage de Midland. Et aussi, on a changé de matos, des points notifs. Voilà. Alors, ça risque de laguer. Je sais pas pourquoi, j'ai tout désinstallé comme mode, j'ai gardé juste les essentiels, mais c'est tout. Mais bon, on verra bien. On va commencer, on va faire une visite de la ferme. Donc, on va commencer déjà. Donc, le rouleau que vous avez vu sur 100% fait, donc je vous le présente pas, hein, c'est le petit Amazon. Voilà, je l'ai pris pour. L'herbe derrière ce tracteur, si ça lag, bien. Donc le fameux semoir, le fameux épandeur engrais qui fait aussi épandeur à chaud. D'accord. Ici nous avons, on avait l'autre Ford, le 8340, je crois. Du coup, on a le 7710. Voilà, je crois que c'est un 100 chevaux. Là, on va aller sur l'autre ferme. Parce que là, on est sur une extension où j'ai mis que des véhicules pour épandre l'herbe, épandre chaud et engrais. D'accord. Donc, si le jeu veut bien, parce que le jeu là, je comprends pas. Ah, c'est bon, on est là. Donc, je vais sortir déjà du véhicule. Et donc les gens, je sais pas pourquoi je like, j'en sais rien, mais moi on dirait que c'est la mise à jour ou j'en sais rien. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par les véhicules, le matériel qui est extérieur, parce que j'ai pas pu tout ranger. Si le jeu veut bien. S'il like trop, il y aura peut-être des coupures. On verra bien, parce que même quand je joue, quand j'ai préparé la partie, je lag aussi. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Donc j'ai beau désinstaller pas mal de mods, donc je vais voir. On a toujours le même épandeur, donc c'est pour ça qu'il y a eu 90% du matériel qui est échangé, 10% qui ont resté, comme vous avez peut-être pu voir la moissonneuse. Donc la Samson qui est toujours là. Là j'ai changé l'épandeur de base. J'ai pris un épandeur pour au lieu de comme ceux qui épandent l'herbe, donc avec des petites tiges et trucs comme ça, j'ai pris avec le truc à l'arrière pour donc c'est là. On peut mettre plusieurs noms, donc c'est la vol. Parce que moi j'y comprends pas. C'est la Vacutech. Voilà. Donc au lieu d'épandre directement du sol, et je vais épandre en arrondi. Vous avez peut-être compris. Le plateau qu'on avait, je m'en rappelle plus, je crois que c'était le petit robot. Je l'ai remplacé contre celui-là. Donc voilà. Il est long, donc je l'ai mis ici parce qu'on a des silos dans la ferme. Donc on fera les vaches. Et pas. Donc là il y a une sorte de BGA, mais je vais utiliser que les silos. Peut-être que je vais faire que de l'arrimbaner. Ici nous avons la pailleuse. Donc elle s'appelle au télescope. Nous avons donc la silo king que vous connaissez bien. Comme j'ai changé de pack de code, j'ai pris donc comme j'ai un nouvel code, donc ça a enlevé l'ancienne, donc je l'ai pas vendu, j'avais complètement zappé. Et du coup j'ai racheté la même à peu près en bleu pour la différencier. Donc là vous avez la stabule des vaches, voilà. Donc là on a un karcher. Donc là on a toujours les mêmes le godet pour ramasser le fumier et tout. Le godet, la fourche, mais sachant que la pailleuse en possède une fourche, hein. Il faut juste dételer. Ici il n'y a rien, donc ici on va peut-être stocker foin, herbe, etc.
Alors je vais ouvrir ici. Voilà. Donc, on a toujours notre fameuse Lexio 550 à gravis avec la comment ça s'appelle? La barre de Guigui de la LFD hein. Elle est sur mon site. Peut-être que ça, je le mettrai sur site. Je me rappelle plus. Faudrait que je... Il y aura peut-être certains modes que je vais mettre. Peut-être un ou deux modes. Quand la vidéo sera sortie, il y aura peut-être un ou deux modes de sortie. On verra bien. J'ai le gros décompacteur. Donc le Simba. Le Simpa, un truc ou Sympa. Quoi. Du coup, j'ai un autre cultivateur. Qui fait combien? C'est quoi, c'est, je sais pas le nom, c'est un pack en fait. Voilà, avec le 850 actions. Donc voilà, donc c'est le, je crois que c'est le 230 chevaux. C'est la plus grosse gamme du moteur, d'accord. Peut-être que je vous mettrai donc l'action. L'action et peut-être la moisson, peut-être ces deux modes. Il manquait pas un véhicule là. Ah, je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai fait une boulette. Il y avait un 800 ici. Un 176 chevaux, je vais. Parce que là. Vous avez le cultivateur. Donc j'ai changé de cultivateur. Gros de 7 mètres 6, je crois qu'on avait. Du coup, on en a un avec repliable. Donc c'est cool aussi. Qui est super bien. Je crois que celui-là il est du mode comté, du il est sur mode hub et lui aussi le décompacteur parce qu'il y a plusieurs largeurs. Le petit semoir, donc on a plus le semoir, je sais plus. Je crois qu'on avait un gros semoir, un orche. Du coup, j'ai pris un semoir Pottinger. Donc, si le jeu veut bien arrêter de me faire chier, ça serait cool. À côté, vous donc vous avez. Je continue ma présentation, même si je sais pas pourquoi je like, j'en sais rien. Nous avons donc le semoir Kuhn. Le semoir Kuhn pour semer les maïs. Donc le Pottinger, ça pour les blés, etc. Regardez la Mopu, mais ça se peut que je la change. J'ai configuré la Mopu pour lui mettre une bâche, etc. Donc voilà. Donc, c'est sur côté. Sur côté foin. Donc de toute façon il y aura des cuts, hein, vous inquiétez pas. Donc aussi j'ai oublié de préciser, si ça arrête de laguer, que j'ai remis le poney en montagne. Donc voilà, c'est pour la petite info. Maintenant on va aller, si le jeu veut bien m'amener. Donc voilà, on n'a plus le Renault, on n'a plus, on a toujours un Renault. Si le jeu veut bien, ça serait cool, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais je n'arrive pas à jouer, c'est pas. Donc, on fera la présentation des tracteurs après. Donc on va aller au fond. Je suis désolé, hein, des lags. J'ai beau changer des trucs, j'ai beau. Même quand je joue sans rien, je veux dire, je mets pas de musique ni rien, je ne peux pas jouer correctement, c'est pas possible. Alors est-ce que c'est la map? Si c'est la map, bah c'est la map. Mais c'est bizarre, ça me le fait un petit peu sur la vallée agricole. Bon, on verra bien. Donc, on a la presse de 76 max, donc la 455 Roland. Voilà, avec les fils, le plastique vert pour machiner. Plus l'enrobaneuse, on n'a plus la presse, notre enneneur. Voilà. Nous avons donc, j'ai plus le télescopique Manitou. C'est un JCB, mais voilà, le problème c'est que je peux pas attacher. Et d'un coup, je pourrais attacher. Alors, est-ce que je peux attacher avec le merlot? Ça se peut. Voilà. Donc un petit, je voulais le tester, mais bon. Désolé si vous entendez du bruit. Voilà, donc ici, donc il me manque pas mal de choses, mais c'est bizarre que le 810 n'était plus. Il y avait un 810, je sais pas.
Donc ici, à notre gauche, donc on a toujours la Pottinger. Voilà, donc la petite fameuse. Nous avons, donc j'ai changé, on avait le 183 en les a plus, donc on a le 96. Je les prends en version cabine parce que de mon côté, sur ma partie perso, il est sans cabine. On a la petite faucheuse qui est derrière. Voilà, donc au lieu d'avoir une faucheuse tractée, ben, c'est une portée. Et pour remplacer le 180, on a le T600. Donc je crois qu'il fait 100. On va vérifier avant qu'on se quitte. Donc je voudrais bien sortir. Du coup, il va pas. Ah. Voilà. Je vais vérifier un truc, c'est bizarre. Pourtant, je ne l'ai pas vendu ce tracteur. On va aller dans le garage. Voyez-vous pour la présentation des modes. Normalement, j'avais un 810. C'était un 176 chevaux, je crois, que j'avais mis. Mais j'ai vu qu'il y avait un 800, donc je pense que je vais changer les motorisations des. Certains véhicules vont être changés de motorisation. Mais il ne nous reste que 9000 euros parce que j'ai déjà acheté les champs. Donc là, je vous fais la présentation. La prochaine fois, ça sera, sera avec le mode saison. Qu'on fera. Qu'on commencera vraiment la série. Donc là, c'est juste la présentation du matériel. Bon, ça, on n'en parle plus. Il y aura donc le 800. Donc le 830 là. Et peut-être la moissonneuse. Faut que je regarde un peu. Où ça sera la presse. Voilà. Bon, j'aimerais bien que le jeu puisse me laisser tranquille. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à tourner correctement. Que ce soit sans filmer ou en filmant. Voilà. Bah oui, il me manque le tracteur. Bah non, après j'ai tout le matériel. Donc à mon avis, je vais regarder dans les modes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu dans les modes? J'espère que je vais pas désinstaller par erreur. Mais sinon on achètera un autre. C'est un peu gonflant. J'essaie de préparer depuis une semaine ou deux la partie. 800. À mon avis, il a dû se. Soit il a dû se remplacer par lui. Bon, on verra bien. Ce qu'on va se faire. Je vais retourner sur le bureau. On va se laisser pour cette vidéo. Donc il y aura des cuts, ne vous inquiétez pas. J'espère que la présentation vous aura plu. Désolé des petits coups de like que j'ai eu. Je ne comprends pas pourquoi. J'espère que ça va pas le faire si on va jouer sur mon perso. Donc on verra bien. Bonibalou, donc la prochaine fois on sera avec le mode saison, parce que peut-être le mode saison, même si elle n'est pas compatible, on va dire à 100%. Compatible, donc vous verrez bien ce qu'on va faire, etc. Donc nous on va se quitter là pour cette vidéo. La prochaine fois, ça sera avec le mode saison. Donc là, comme j'ai acheté déjà les champs, donc il y aura juste à faucher, etc. Bah, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est dans la description, les dons, etc. Tout est dans la description. Je mets sur le lien d'origine. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à liker ou disliker. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et nous, on se retrouvera pour la prochaine fois là, sur la map. J'espère que ça ira mieux. On aura où j'aurai tout moissonné et qu'on aura la mauvaise saison. Donc voilà. Donc moi, je vous dis ben à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.